Merci Stéphanie pour ce super cours de yoga. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est midi, c'est l'heure du cross-training après la super séance de yoga de Stéphanie. Bienvenue dans la salle 3S, sportive, sociale et solidaire dans l'émission Bouger sans bouger de chez vous. J'en profite pour remercier les personnes qui étaient hier à ma conférence débat avec le professeur Versier sur les bienfaits du sport en confinement. Je vous rappelle qu'il y aura une autre session mardi prochain sur la thématique sport en entreprise avec le témoignage d'un éminent cadre dirigeant d'une entreprise française qui pourra évoquer la partie sport en entreprise avec moi. Donc mardi prochain à 18h. Donc bienvenue à toutes et à tous. Welcome to everybody from foreign countries, Japan, Mongolia, Switzerland, Spain, Italia, Canada, and Sweden and Denmark and Scotland too. Merci beaucoup d'être présent pour cette 16e session bouger sans bouger de chez vous. Nous sommes au 23e jour de confinement, c'est un petit peu long pour certains et donc ces séances sont faites pour casser la routine de cette période de confinement qui va durer encore longtemps, même s'il y a des perspectives d'amélioration peut-être à l'avenir, on l'espère en tout cas. On va démarrer par la prise de pulsation, on va enchaîner sur un Ruffy Dixon, on va faire un test sur vos fréquences cardiaques. Donc on va démarrer tout de suite sur la prise du pouls, ici sur le poignet ou sur les carotides. Je lance le chrono, ça sera 30 secondes pour l'instant au repos et vous aurez juste à multiplier par 2 votre fréquence cardiaque au repos. Attention, on démarre dans 10 secondes exactement et je lance le chrono. Ça démarre dans 5 secondes. 3, 2, 1, go. Encore 15 secondes. Stop. Stop. Voilà, donc vous multipliez par 2 ce chiffre obtenu au repos. Et maintenant, on va démarrer par le test Ruffy Dixon. Il y aura 30 flexions sur 45 secondes exactement sur le rythme que je vais vous donner ici à l'écran. Attention. Donc retenez bien le premier chiffre, on va évaluer le deuxième après l'effort, une fois qu'on aura fait tous ces exercices de flexion, demi-squat sur le rythme du bonhomme qui se trouve ici. Attention, on va démarrer. Et là, je vais prendre ma petite machine infernale sur 30 secondes. 3, 2, 1, top. Pour l'instant, je vais faire un petit peu de vélo. Ça ne fera pas de mal. Il reste 15 secondes. Et on enchaînera à nouveau sur 15 secondes. Le total est de 45 secondes sur le rythme du petit bonhomme. Encore 15 secondes. Ok, voilà, on multiplie par 2 le chiffre qu'on va obtenir tout de suite. On va reprendre les pulsations maintenant après l'effort. Attention, nous allons nous repositionner sur le timer ici de 30 secondes. Attention, voilà, on prend le pouls dans 10 secondes exactement pour obtenir les pulsations cardiaques à l'effort sur la base du test de Ruffy Dixon. 3, 2, 1, go. C'est à vous. Ça va durer à nouveau 30 secondes. Et vous devrez multiplier par 2 le chiffre que vous allez obtenir.
3, 2, 1, stop. Voilà, stop. Vous multipliez par 2 ce chiffre pour obtenir votre valeur à l'effort après le test de Ruffy et Dixon. Et puis on va compter dans 1 minute exactement à nouveau les pulsations pour obtenir la valeur de récupération cardiaque après l'effort. Donc on attend 1 minute maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si jamais vous avez des problèmes particuliers, évidemment, allégez la séance, adaptez. Aujourd'hui, ça va être une séance avec de nouveaux exercices. Donc il y aura un petit peu d'apprentissage. Exercices de coordination, proprioception, renforcement musculaire, stretching et cardiovasculaire. On attend encore 30 secondes et on va démarrer la prise de pulsation cardiaque lorsque je lancerai le timer dans 10 secondes exactement. On reprend les pulsations. 3, 2, 1, go. Encore 10 secondes. B, 2, 1, stop. Ok. Vous retenez cette valeur, vous la multipliez par 2, vous obtenez l'indice de pulsation en récupération. Je laisse le professeur Versier qui contrôle nos séances pour vous donner la formule de multiplication pour obtenir évidemment le résultat Ruffy Dixon. Pour vous, c'est pas forcément obligatoire, simplement vous retenez ces trois valeurs pour voir où vous en êtes sur le plan cardiovasculaire aujourd'hui avant la séance. Voilà, on va repartir sur un échauffement, footing, un jogging à l'intérieur, un jogging confiné avec des exercices de gamme athlétique. Les gammes athlétiques sont des exercices qui sont utilisés par les athlètes, les athlètes qui préparent les grands championnats, championnats du monde, Jeux Olympiques, pour faire un petit travail de répétition, de coordination, qui permet d'avoir une meilleure foulée après, derrière, sur la course. Donc c'est de l'apprentissage pour les jeunes qui se mettent à l'athlétisme, et puis c'est aussi du perfectionnement pour ces athlètes. Donc on va démarrer sur un petit travail de footing sur place ici, comme on a l'habitude de faire régulièrement. On lève à peine les pointes des pieds du sol, on utilise un petit peu les bras, et on va faire ça pendant 1 minute, tranquillement. On va travailler à l'aise. Voilà, on se mobilise tout doucement. On monte un petit peu plus les genoux. Voilà, on peut faire un footing d'une heure chez soi dans un petit appartement ou une petite pièce sans problème avec des exercices, vous verrez tout à l'heure, qui sont très faciles à réaliser. Et c'est vraiment l'objectif de notre séance, ne pas utiliser volontairement les appareils qui sont derrière moi ou sur les côtés par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément de matériel ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir, évidemment. Donc on fait toutes ces séances à poids de corps, avec le sol évidemment, et puis un espace de 2 mètres carrés et qui permet à toute famille ou à toute personne confinée de pratiquer dans un studio, un appartement ou une maison évidemment. Donc on continue, on va monter un peu plus les genoux ici. Voilà, et maintenant au signal on va monter un genou après l'autre. Donc ça va donner ça, on va monter un genou et on va relâcher en trottinant. Donc là j'ai commencé par la jambe droite. Et puis je vais enchaîner par la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Là, hop. On repart sur la jambe droite. Hop. Gauche, hop. Droite. Là, il y a un petit travail de coordination. En même temps, il commence à déjà faire un petit peu chaud. C'est normal. Ça fait partie de l'échauffement. C'est comme un moteur, il faut l'échauffer avant de pousser. Pousser la mécanique, et pour le corps humain c'est exactement pareil, il faut que les fluides se fluidifient, il faut que le sang circule, et puis que la chaleur arrive dans les tendons et les muscles qui coulissent beaucoup mieux
dans ces conditions. On va remonter les jambes l'une après l'autre. On va commencer par la droite. Allez, hop, gauche, hop, droite, hop, allez, hop, 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 hop. Ok, on relâche à nouveau, tranquillement. Et maintenant, on va utiliser les trois temps. Donc, nous allons monter un genou après l'autre, tous les trois temps. Donc, ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche tranquillement et après, c'est à vous de faire l'exercice, qui est un exercice de coordination, évidemment, en plus de la pratique sportive. Je vais me mettre volontairement de profil pour que vous voyez le travail des bras. Les bras sont toujours en opposition. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez qu'il y a deux appuis au sol et puis une montée de genoux. 1, 2, on monte le genou. 1, 2, on monte le genou. Voilà, on continue à trottiner un petit peu sur place, tranquillement. On récupère un petit peu de l'effort de l'exercice précédent. Et maintenant, on va travailler en arrière. C'est-à-dire qu'on va se mettre ici sur l'arrière avec montée de talon. Ici. Toujours avec un petit travail de bras. Alors, évitez de monter les talons en avant. Là, c'est compliqué. Par contre, si on laisse basculer ou passer la ligne des genoux en arrière du bassin, c'est beaucoup plus facile. Là. Allez, on y va. Ça dure 15 secondes. Ok, on relâche à nouveau. On fait des petits pas tranquillement. Vous voyez que ça monte assez facilement finalement. Là, on a utilisé 50 cm carrés. Donc c'est 50 sur 50. Donc c'est sur un tout petit espace. Alors ce sont des exercices que j'ai inventés sur les Grands Prix de Formule 1 où je coachais des pilotes, où on avait un espace réduit dans les motorhomes. Et pour moi, il a fallu inventer des exercices sur place sans avoir la possibilité d'aller à l'extérieur. On ne s'expose pas auprès des pilotes concurrents et ça permettait de s'échauffer, faire monter le cardio. On va faire la même chose maintenant avec un petit travail de coordination ici où on va piétiner et ensuite hop, on va monter un genou. On va passer à la gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok, on piétine à nouveau. Je vous rappelle que c'est un jogging en ce moment, donc on ne s'arrête pas. Et maintenant, on va travailler en coordination tous les trois temps. Deux appuis au sol, une montée de talon. Donc ça donne ceci. Tac, 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 et tac. Ok, on relâche à nouveau. Ça va être maintenant à vous de faire l'exercice. Attention, vous mettez les mains derrière, comme ça vous avez un petit repère pour toucher la paume des mains, ici, derrière les fesses. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau, petit pas au sol, toujours en petite foulée. On imagine qu'on va promener le toutou. Voilà. Alors je salue tous les judokas qui sont présents. Et des anciens amis, toujours amis d'ailleurs, qui doivent trouver bizarre que je sois dans cette situation, mais pour moi c'est vraiment un plaisir de donner, de partager mon expertise du haut niveau, évidemment, pour la qualité peut-être des exercices, et puis surtout pas la performance, qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc maintenant on va passer sur le côté. Donc vous allez venir passer la hanche sur le côté et continuer à trottiner, ici, là, comme si on passait sur un obstacle, ici sur le côté, là, on trottine, on ouvre le bassin et on vient faire un petit art de cercle pour ramener la jambe devant, ici, droite, ici,
ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, on ouvre, allez, on ouvre, on referme, voilà, on relâche tranquillement, maintenant ça va être à vous, tous les trois temps, deux appuis au sol et un mouvement à l'extérieur qui vient rejoindre l'avant-pied, donc on y va. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 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 2, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Maintenant, on va faire une petite rotation du bassin, comme on a l'habitude de faire pour déverrouiller le bassin ici au niveau de la ceinture pelvienne. Et puis, se donner une petite agilité aussi, c'est important. Le sport est fait pour ça, l'agilité, la posture au travail que donne le sport est très importante. La posture, c'est la communication qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, la confiance en soi, comme on l'a rappelé hier avec le professeur. Voilà, on va commencer à tourner ici avec un petit travail de bras, toujours en opposition. Et vous voyez que je suis déjà un petit peu en sudation, je m'étonne moi-même des fois. Allez, encore, 3, 2, 1, on relâche, on continue à trottiner, on est toujours sur notre petit footing, vous n'êtes pas obligé d'être toujours sur la pointe des pieds, vous pouvez poser de temps en temps le talon, mais sachant que la course habituellement se fait sur les deux tiers avant du pied, évidemment pour ne pas avoir d'impact au niveau du dos, et puis c'est ce qui permet d'avoir un bon appel, un bon appui au niveau de la voûte plantaire. On va faire maintenant un petit pas sur le côté, ici. Voilà, où on va être coordonné. On reste sur place, au niveau du haut. Et vous voyez que les jambes viennent s'interposer, ou un pied chasse l'autre sur le côté. Et j'utilise toujours les bras. On relâche tranquillement, et maintenant ça va être à vous. Attention. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Maintenant, on va tout enchaîner, comme d'habitude, pour bien réviser nos gammes. Avec première phase montée de genoux, tous les 3 temps, talon-fesse, tous les 3 temps, avec un petit travail talon-fesse régulier avant, évidemment. Et puis après, ouverture de hanche. Voilà, et puis après déverrouillage, et ensuite les petits pas qu'on vient de faire à l'instant. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les montées de genoux en alternance? On va d'abord monter tranquillement les genoux. Voilà, on relâche à nouveau, et ensuite on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons fesses. Voilà, on relâche à nouveau. On se donne les petits repères. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau, petit trépignement. Et là, on va venir ouvrir. Là, là. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. On récupère tranquillement. Petite foulée. Et ensuite, on va faire un petit travail de rotation ici. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. On augmente un petit peu l'amplitude par rapport à tout à l'heure. Maintenant, on va enchaîner par le petit trépignement. Et derrière, il y aura une pause. Évidemment, vous pourrez vous désaltérer. Attention. On y va. Doucement, au début. Voilà. Bien relâcher le haut du corps. Ne bouge pas comme la salsa. Brésilienne, cubaine. Et on enchaîne à l'accélération. Ok, on relâche à nouveau. Pour récupérer, petit trépignement et on fait une pause. Voilà, pensez à la
L'hydratation, il fait beau aujourd'hui, il fait chaud dans les chaumières, un peu plus chaud que d'habitude, donc il est important d'anticiper sur la suite de la séance. Car une fois qu'on a très soif, il est trop tard. Donc il faut toujours anticiper la soif en fait et boire avant d'avoir soif, toujours, surtout quand on fait une séance derrière. Je regarde un petit peu l'écran de contrôle où je vois nos habitués, puis des nouveaux aussi, donc c'est bien. Lydia, Ghislaine, Pascal Junior, Gilles, Roland, toujours en place, Roland, bravo. Roland a 65 ans, c'est pas notre doyen, mais presque, Roland, merci. Voilà, on va récupérer, on va avoir des exercices maintenant de coordination, toujours en mobilité articulaire. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier avec le professeur Versier, il est important de se mobiliser au quotidien, de se remobiliser, retrouver, redonner de l'amplitude articulaire, parce que le quotidien aujourd'hui c'est un écran, une position assise, et ça pose beaucoup de problèmes au-delà des maladies chroniques qu'on abordera dans 15 jours. Ça pose des problèmes aussi articulaires où on n'a plus l'habitude de travailler toutes ces amplitudes. On va commencer à mobiliser le haut tranquillement, ici. Voilà. Amplitude articulaire au niveau des épaules qu'on n'a pas encore sollicité. Ici en arrière à nouveau, des mouvements qui sont très très simples. Je vous rappelle que ces exercices sont faits volontairement, sont proposés de façon très simple pour qu'ils soient... abordable pour tout le monde, y compris les enfants. Voilà. Petit déverrouillage à nouveau sur le côté. En ouvrant bien l'épaule aussi sur le côté, on va travailler sur cette amplitude-là au niveau de la glène de l'humérus qui s'insère dans l'omoplate. Voilà, on va passer sur le côté, on va ouvrir vraiment les côtes, la partie latérale du corps sur le côté, avec ici en même temps les cervicales, et on va passer de l'autre côté. On va pas rester trop longtemps dans cette position qui est vraiment pas confortable, pour moi en tout cas, ce qui me concerne, avec un petit peu d'arthrose. Ce sont mes restes de judoka et d'entraîneur des équipes de France qui m'ont laissé des beaux restes, mais en même temps quelques petits reliquats au niveau des épaules et des articulations, notamment des genoux, mais aussi du dos. Donc merci à tous les judokas de m'avoir laissé des petits souvenirs. Mais décider, c'est toujours gagné, donc c'est sans regret en tout cas. On va faire un petit travail de déplacement latéral, ici sur le côté. Voilà, vous commencez à balancer, ici, sur le côté. Voilà, un pied ramène, revient se rejoindre à l'autre, ici. Là, là et là. Et maintenant, on va rester un écart ici avec un petit demi-squat ici. Ici, avec un petit demi-squat ici. On ramène le pied, on écarte, demi-squat. On ramène le pied, on écarte, demi-squat. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, on travaille avec le haut. 5, 6. On échauffe les épaules. 7, 8, 9. Et 10. Maintenant, on va faire un petit travail de balancer sur le côté, d'équilibre avec la jambe qui est libre, qu'on laisse mourir sur le devant de la première jambe. Donc, petit pas chassé ici, toujours. Et lorsqu'on a un bout de course, on va laisser passer la jambe devant. Là, là, là. On va optimiser le mouvement en utilisant les bras ici pour bien chauffer les épaules. Et maintenant, on va mobiliser les épaules à chaque mouvement de jambe. Là, 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 là. 3, 2, 1. Ok, maintenant on va à nouveau déplacer sur le côté tranquillement, toujours avec ce petit mouvement de pas chassé. Mouvement du patineur, hein, mouvement du patineur, c'est ça. Là, ça aurait pu être ça. Aujourd'hui, c'est pas la thématique, le patinage. Donc maintenant, on va ramener la jambe ici, fléchir et revenir devant. Fléchir, revenir devant. Je fléchis, je reviens devant. Je ramène, je fléchis, je reviens devant. Et on y va. Allez,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. On continue ce petit mouvement latéral qui nous donne de l'aisance sur les pas chassés, sur l'équilibre. Vous voyez, si on est, vous devez être capable tous de vous arrêter et rester en équilibre sur chaque mouvement. Voilà, on travaille la proprioception, l'équilibre qui est très important, prévention des chutes pour les personnes jeunes ou d'un certain âge. Et maintenant, on va venir ici faire un petit sursaut et balancer la jambe sur le côté. Petit sursaut, balancer la jambe. Là, 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 là. Allez, là, 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 là. Toujours les bras en haut pour bien chauffer les épaules. Petit sursaut. Vous voyez que c'est la jambe ici qui est à l'extérieur dans la direction du déplacement qui fait le petit sursaut et la petite jambe devant. Là, là, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours sur la thématique de l'équilibre, vous voyez que les épaules travaillent dans ces positions-là. Quand on fixe les bras, épaules basses, bras fixés. Ça fait un beau travail complet entre le bas et le haut, plus la coordination qu'il faut avoir entre le haut et le bas. Alors moi personnellement, je ne suis pas bien câblé du tout, pas coordonné du tout, mais c'est à force de travailler qu'on arrive à améliorer les interconnexions entre le cerveau et puis les muscles. Donc c'est pas facile au début, mais tout le monde peut y arriver. On va faire toujours dans la continuité de la proprioception de l'équilibre ce petit travail là avec une jambe avant. Bras opposé fléchi, bras arrière fléchi. Vous voyez que la jambe tendue est en avant et le bras fléchi est en arrière, du même côté. Voilà, on se met en opposition et là on va venir se mettre à l'opposé avec la jambe qui bascule en arrière et les bras qui viennent en avant. Comme sur la course d'ailleurs, on est toujours en opposition sur la course. C'est toujours le bras opposé qui est en avant. Et on y va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez que ça travaille au niveau des chevilles aussi. Dans la cheville qui est la première articulation après le sol. Donc c'est ce qui tient tout le haut. Donc c'est important d'avoir des bons appuis, des bons ancrages au niveau du sol. Voilà, on va faire pareil ici. Bras en opposition. Donc c'est jambe gauche devant, bras droit devant, bras gauche derrière, et là on va faire un mouvement d'elliptique comme l'appareil d'elliptique. 3, 4, 5, 6, on monte un peu plus, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant on va relâcher un petit peu et puis on va faire un petit travail de demi-tour. Demi-tour sur demi-squat, donc toujours face au mur. Vous connaissez le protocole, on ouvre le bassin ici, on se replace ici en flexion demi-squat. Donc ça donne ça, ici, là. Je reviens du même côté, je repars du côté opposé, demi-squat. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, allez, on accélère, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va partir sur la même chose, mais sur un déplacement latéral. Aujourd'hui, c'est une séance à thématique coordination dans l'effort. Donc, c'est pas facile de combiner les deux. Mais ça permet de progresser, d'être plus à l'aise, plus agile et avoir moins de danger, notamment sur les chutes. On fait un petit pas ici. Là, et on va tourner autour du pivot ici et venir faire un demi-squat. On revient ici, ça va faire 1 et 2 demi-squat. On revient de face, 1 et 2 demi-squat. On revient de face, 1 et 2 demi-squat. Allez, on y va. Donc face à moi, vous me suivez, vous tournez évidemment du côté opposé puisqu'on est en miroir. Et puis on se concentre bien sur la flexion ici. Allez, 1. 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Alors c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas beaucoup d'espace et donc des fois on est un peu désorganisé. Vous faites une petite récupération et puis on va enchaîner tout ça de façon coordonnée comme on l'a fait pour la première série avec déplacement jambes, levée de genoux, ensuite pas chassé et ensuite de façon coordonnée sur les demi-squats. On va oublier la dernière série qui est un petit peu compliquée vu l'espace et on terminera sur celle d'avant où on va faire un demi-tour et demi-squat. Alors, on y va, on va commencer à se balancer ici, droite et gauche et on engage la jambe. Là, 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 là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient ici. 1, 2, 3, flexion, 4, 5, 6, épaules basses, bras levés, 7, flexion, 8, flexion, 9, flexion, 10, on continue, on se met sur le côté ici, jambes tendues, bras à l'opposé, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de jambe directement, on y va, 1, 2, 3, 4, on travaille l'équilibre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se met maintenant face au mur et je vous réserve une petite surprise pour la fin. On y va, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Petite surprise de la fin, c'est le dernier exercice qui consiste à rester à nouveau sur une jambe et venir ici se balancer sur le côté. Là, on met les bras à l'équerre et on vient se balancer ici sur le côté. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. On prend la jambe qui est toute neuve. Allez, 1, 2, on ouvre latéralement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, petite pause, 2 minutes ou 1 minute 30. Et on enchaîne ensuite sur les petits exercices au niveau des bras qui termineront ces exercices de coordination, échauffement. Et ensuite, on terminera par le fameux petit circuit qui a toujours lieu. C'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, adapté en fonction de vos capacités. Ou je reprendrai pas mal de ces exercices-là qu'on a fait à l'échauffement. On est toujours dans l'apprentissage, et même à mon niveau. Donc voilà, il faut toujours essayer d'amener des petites valeurs en plus qui apportent quelque chose de plus sur le plan physique, coordination, mental aussi pour essayer de progresser. L'indice de progrès, c'est toujours le repère. Quand j'étais sélectionneur, pour moi, ça a toujours été le repère. Qui progresse, qui a une démarche de progrès, qui ne l'a pas. À partir de là, talent ou pas talent, ben, il faut être en tout cas dans cette démarche-là pour avancer, parce qu'on sait que le meilleur à l'avenir, ce sera toujours celui qui a cette démarche de progrès, et pas forcément le plus talentueux. Alors si on a les deux, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Alors, maintenant on va passer sur les mains, ici, donc vous prenez peut-être une petite serviette, la serviette des Jeux Olympiques de Londres, par exemple, et on va se mettre ici sur les mains, voilà, où on va faire un petit travail de pédalo
de climber plutôt ici avec montée de genoux. Là, voilà, on commence à solliciter un petit peu les épaules. Le bassin relativement bas. Et là, on va accélérer cette position en montant bien les genoux, en travaillant bien au niveau du bassin, des abdos, qui vont être sollicités tout à l'heure sur le circuit. Voilà. Ok. Maintenant, on va se mettre sur le dos, on va faire un petit travail de coordination abdominale. Alors, je prends ma petite bouteille d'eau, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être un petit objet tout simplement. Et là, on va faire un petit travail de pédalo, ici, là, avec le passage ici de l'objet à l'intérieur quand la jambe vient se tendre. Ça donne ceci, là. On essaye de se coordonner, d'accélérer, en remontant le buste au maximum. Et on continue pendant 10 secondes encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Bon, je ne l'ai pas fait tomber. C'est une bonne chose. Voilà, on va refaire un petit travail ici au niveau des bras. Où on va faire une petite flexion au niveau des mains. Ici, on va essayer d'aller toucher la jambe avec le coude sans fléchir beaucoup au niveau du haut. Mais juste se mettre dans une petite position de gainage, là où on va essayer de ramener le genou ici sur les coudes. On y va. 1, 2, 3. Si c'est trop dur, vous restez en gainage. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On récupère un petit peu et puis on va enchaîner ces mouvements pour bien se préparer pour le circuit qui nous attend. Alors, on va se remettre en position. Climber, position climber. To climb, monter, grimper. Je bois une petite gorgée, j'en profite. Parce que moi aussi, j'ai très 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 chaud. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être la conférence d'hier qui m'a chauffé. Alors, on y va. Petit climber. Pédalo, et après on revient sur les bras. Allez, en position, ici, un pied chasse l'autre dans un premier temps. Là. Alors on essaie de, même si c'est très facile, justement, d'avoir une bonne position, les fesses pas trop hautes, fesses basses, et là on va, une fois qu'on est calé, on va accélérer le mouvement. Allez, 10 secondes, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, ok. On se met maintenant sur le dos, on prend son petit objet pour l'exercice du pédalo. Et voilà. Et je me mets en position de pédalo, ici, là, où je viens chercher avec le buste la meilleure position. Vous voyez que ça gagne bien au niveau des abdos. Et en même temps, je dois me concentrer pour ce fameux travail de coordination. Pas facile. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Maintenant, on va se remettre à nouveau face au sol. Où on va faire ce petit travail de placement au niveau des épaules en gainant bien le haut au niveau des deltoïdes et puis ce travail d'agilité où je vais essayer d'aller chercher mon coude avec mon genou qui est du même côté. On y va, on va faire juste 10 petites flexions. Là, je descends très peu. 3, 4, 5, le corps est gainé mais je descends très peu. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on fait une pause de 5 minutes avant de démarrer le circuit tout à l'heure.
je vous laisse vous désaltérer, reprendre un petit peu de force. Moi, je vais ouvrir légèrement. Voilà. On va mettre un petit peu de musique aussi. Alors là, c'est de la musique qui est libre de droit. Donc, ne me coupez pas les vidéos, monsieur YouTube. La musique est libre de droit. Je regarde en même temps vos petits commentaires. Alors, on a parmi nous un champion, un membre de l'équipe de France d'athlétisme, Gaëtan Sacou, qui travaille avec Sport Management System, vice-champion d'Europe d'athlétisme de triple saut précisément. Bienvenue Gaëtan, j'espère que j'ai bien fait les exercices de gamme athlétique. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à revenir vers moi. Bonjour à Gilles Olivier. Mamadou Diarra, qui est notre référent de Shizen Sport Truck, qui fait un travail incroyable avec Gaëtan Sacou et puis Laurie Petrolesi aussi. Bienvenue. Je vous annonce le programme. On va avoir 3 blocs au lieu de 4 habituellement. Aujourd'hui, c'est une séance courte, on est en milieu de semaine. Si vous faites toutes les séances avec nous, ça permet d'avoir une séance un peu plus light. Mais tout dépend de la dose que vous mettez sur le rythme notamment et l'intensité. Donc rester en deçà, c'est pas un souci. Alors, premier exercice, il y aura 3 blocs. Premier bloc avec un exercice qu'on a fait tout à l'heure avec le balancé de jambes. Deuxième exercice avec pédalo, avec le petit objet sur les abdominaux. Troisième exercice, ça sera le climber face au sol. Et ensuite, on enchaînera sur le deuxième bloc que je vous expliquerai au fur et à mesure. D'accord ? Allez, on va se mettre en place. Alors, je vais demander à mon technicien de baisser peut-être un petit peu la musique. On va se placer sur une jambe. Je vais placer le timer à 25 secondes. Et on aura 15 secondes de récup. Ce qui va laisser du temps. En fait, pour se replacer, les exercices sont pas très intenses, mais il faut surtout bien les faire. Il y a la coordination à l'intérieur. Attention, premier exercice ici, on se positionne jambe avant. Je vais démarrer. Il reste 10 secondes avant le démarrage. On inspire bien, on se prépare et on se concentre surtout sur le geste. 3, 2, 1, go. On peut laisser la musique, c'est pas gênant. Merci Adrien qui est à la technique. 3, 2, 1, stop. Ok, on prend son petit objet. On va enchaîner par le pédalo. Ici. Mais déjà un gainage. 2, 1, go. Je relâche 15 secondes.
On va faire le climber. Rappelez-vous, c'est une jambe après l'autre ici. 3, 2, 1, go. Bien accélère. Three, two, one, stop. Ok. On a fait le premier bloc. Ici, on va faire pas chasser. Passage de jambes. Three, two, one, go. J'ai pas assez de place donc je le fais sur un seul pas. Allez. Three, two, one, stop. Allez, on va se mettre en position de natation. On n'a pas de piscine, mais on va imaginer la piscine. On va se mettre en bras de brasse ici, les jambes de crawl. Two, one. Go. Three, two, one, stop. Hop là, troisième exercice. Ça va être ici, coup de genou. On se met en position de gainage, ça va être ça. Ça. 3, 2, 1, go. Si c'est trop dur, on reste les jambes tendues. Bras tendus, pardon. Ici, là, là. 3, 2, 1, ok, stop. On relâche, on va passer au troisième bloc. Premier exercice. Ici, rotation demi-squat. 3, 2, 1, go. Là, là, là. Et on revient de face. De face. Three, two, one, stop. Ok. On va passer au starfish, au sol, ici. Three, two, one, go. Three, two, one, stop. Voilà, je reste à l'exercice. On va partir à 7. On va redémarrer. On va être ici. Là. Three, two, là. One, go. Exercice de grande mobilité. Three, two, one, stop. Okay. Allez, tout le monde récupère. Je vais demander à mon technicien de baisser la musique. Thank you.
le dernier exercice était un petit peu particulier pour vous. Donc on est sur de la mobilité, on est sur de l'agilité, on est sur du renforcement musculaire et on est aussi sur un travail cardiovasculaire. Je vous rappelle les 5 composantes du sport: renforcement, mobilité, coordination, stretching, cardio, agilité. Voilà, tout ça c'est contenu dans un seul exercice. Merci mon technicien d'avoir baissé la musique. Je vais vous laisser récupérer, boire un petit peu. Et puis ensuite on va enchaîner pour un deuxième tour avec Cécile Cotrez. Sauf Cécile qui n'est pas au repos évidemment comme d'habitude. Patrick Guillaume, bonjour. Gilles. Alors, je vais m'éponger. Il fait très chaud ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit microclimat. Sûrement. Alors, je ne sais pas si vous avez chaud. Est-ce que vous avez chaud? N'hésitez pas à poser vos questions parce que j'ai mon community qui va vous répondre. Et en même temps, je regarderai après la séance les petits commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment après la séance. Voilà, donc, je suis à votre disposition de toute façon. C'est l'objectif de ma démarche. Démarche solidaire évidemment, en lien avec les événements d'aujourd'hui. Donc je me suis dit comment je pourrais participer. Alors autant, je ne suis pas infirmière malheureusement. Mais voilà, pour le sport est aujourd'hui vital pour maintenir ce confinement et casser cette routine qu'on a au quotidien. Voilà, pensez à vous structurer, prenez des rendez-vous dans la journée avec le sport, avec les collaborateurs en télétravail. Ne restez pas isolés parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué à gérer mentalement, psychologiquement. C'est difficile, on se sent isolé. Et c'est pas bon du tout pour le moral et pour le mental et pour la durée en tout cas. Donc le sport permet de passer ce cap et de repartir avec de la fraîcheur, de l'enthousiasme, de l'innovation pour créer d'autres projets pour après cette période de confinement. Bien, vous avez fait ce petit échauffement circuit, maintenant vous avez acquis je pense les exercices. Juste un petit point sur le dernier exercice ici. Donc on va venir avec la jambe opposée se placer. Ici, vous pouvez vous asseoir si vous voulez ou ne pas vous asseoir. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant, qui permet de retrouver de l'agilité. Et je vous expliquerai à la fin, si j'ai un petit peu de temps, comment on arrive à se relever sans les mains alors qu'on est sur le dos. Donc c'est juste une petite technique qui permet de se relever. Voilà, sachant qu'on juge les hommes au nombre de fois qu'ils se relèvent et pas au nombre de fois qu'ils chutent, comme disait notre créateur du judo, Jigoro Kano. Donc voilà, vous pouvez aussi le faire sur les coudes, ici, là, là, d'accord. Donc sur chaque exercice, vous avez la possibilité de vous exprimer, quel que soit votre niveau. Alors, dernière petite gorgée, et puis on va repartir sur le circuit à nouveau, mais de façon un peu plus... Péchu, plus dense. On va réduire les 25 secondes à 20 secondes et puis après ça sera 15 secondes, toujours avec 15 de récup. Voilà. Mais décidément, j'arrête pas de transpirer. Ce qui est une bonne chose, il faut transpirer, il faut faire tourner le moteur, il faut évacuer les toxines, notamment. Allez, on va démarrer dans 10 secondes. Vous êtes prêtes, vous êtes prêts. On va repartir sur ce mouvement, ici. Tout à l'heure on était sur une jambe, maintenant on passe à l'autre, on inverse. 3, 2, 1, go. Allez. Stop. Allez, on passe sur le dos, pédalo, je prends ma petite gourde. Et on se met déjà en position ici, là. 3, 2, 1, go. On va chercher bien haut, si possible, sous le mollet.
et on accélère. Une fois qu'on est bien coordonné. 3, 2, 1, stop. Ok. On passe au petit climber. Climber, ici. Cette fois-ci, on va essayer de poser la jambe devant. Ça va être un petit peu plus dur. 2, 1, go. On reste en bas. Au deuxième bloc, ici pas chassé. Three, two, one, go. Allez. Travaille bien avec les bras, bien coordonné, et on accélère. 3, 2, 1, stop. Ok, on va passer maintenant à la natation. Bras de brasse, jambes de crawl. 3, 2, 1, go. Sans toucher le sol, ni avec les jambes, ni avec les pieds, ni avec les mains. On est au ras du sol sans cambrer. On évite toute cambrure avec une rétroversion du bassin. 3, 2, 1, stop. Voilà. Maintenant, on va passer au coup de genou. Donc, soit sur les coudes ici, si c'est trop dur, soit sur les bras, 3, 2, ou en flexion. 1, go. Tchou, 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 tchou. Je vous rappelle que 20 secondes. Vous n'êtes pas obligé de fléchir. 3, 2, 1, stop. Ok. On va passer maintenant au demi-tour. Ici. On revient de face, demi-tour de l'autre côté. Coordination. 3, 2, 1, go. Stop. Ok. Starfish. Starfish. L'étoile de mer. Là. On va se régaler. 2, 1, go. Là. Jambes tendues. On va chercher la chaussure. Au-dessus. De la semelle en dessous. Là. 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 Toujours deux appuis. Toujours deux appuis au sol. 3, 2, 1, stop. Ok. Ensuite, ça va être le fameux dernier exercice. Soit sur les bras, soit sur les avant-bras. Avec cette position. 2, 1, go. Dernier dur. Je salue, j'en profite pour saluer Arthur Clerget, notre référent judo, spécialiste, spécialiste de cet exercice, entre autres, puisqu'il y en a plein d'autres dans sa besace. Voilà. Arthur, si tu nous regardes, bienvenue. Allez, on fait une petite pause. On va repartir sur un troisième circuit, toujours le même, avec les mêmes exercices. C'est important de ne pas changer tout le temps. Et comme ça, derrière, je pourrais
en construire d'autres avec vos nouveaux exercices que vous avez déjà capitalisés pour faire des variantes de choses que vous avez déjà travaillées. Mais la nouveauté n'est pas un gros mot, donc on rajoute toujours un petit mouvement de derrière les fagots. Je regarde vos petits commentaires, je vérifie les présences, je mets une croix et je mets absent pour ceux qui sont absents, tant pis. Sachez que 3 absences c'est exclusion évidemment, comme à la grande époque. Non, je plaisante. Vous venez quand vous voulez, en retard, en avance, c'est pas le souci. Est-ce que vous avez récupéré suffisamment? Un petit message avant le dernier passage. Attention. On va redémarrer. C'est dernier tour, dernier circuit avant les étirements qui sont très importants et qui font partie intégrante de la séance. Si j'en vois qui se barrent avant, ça va être compliqué pour eux. Allez, on y va. On prépare les petits accessoires. Une serviette qui suffit pour nos séances. Bougez sans bouger de chez vous. Il suffit d'une serviette de 2 mètres carrés. Et puis on fait son sport en groupe. Allez, on y va. On va redémarrer ici, sur la position jambe en l'air. Ça reste entre nous, la jambe en l'air. Et on démarre en 10 secondes. On se met déjà en équilibre. 3, 2, 1, go. Allez. Vous pouvez le faire sauter aussi. Three, two, one, stop. Ok, on passe au pédalo. Le pédalo Nico. Je l'appelle le pédalo Nico parce que c'est un ami qui s'appelle Nicolas qui me l'a inventé. Three, two, donc, one, grâce à lui. Go. Allez, on remonte le buste sous les mollets. Bon, ça c'est facile. Si vous mettez de la bière dans la gourde, ça va. 3, ça va mousser. 2, 1, stop. Ok. Allez, petit climber. Face au sol. Ici. 3, 2, 1, go. Allez, avec la musique. 3, 2, 1, go. Allez. 3, 2, 1, stop. Ok. On passe à la natation. Allez, on se met à l'eau. Three, two, one, go. Allez, bras de brasse, jambes de crawl sans cambrer. Là aussi, il y a de la coordination. Three, two, one,
Stop. Voilà. Dernier exercice du deuxième bloc. Ici. Soit sur les coudes, soit sur les bras. 2, 1, go. Attention, ça va repartir. 2, 1, go. La semelle derrière le pied. Stop. Ok. Et on finit par l'exercice qui tue. C'est horrible. J'ai pas envie. Mais je vais le faire quand même. 3, 2, 1, go. Tous et on passe aux étirements et la séance sera terminée. Donnez-moi vos impressions de la séance, s'il vous plaît. Je veux savoir parce que soit je suis pas en forme. Soit c'est compliqué. Et si c'est compliqué, il faudra que j'adapte. Sous le contrôle, évidemment, de nos éminents spécialistes du corps médical. Ouh. En fait, je crois que c'est le dernier exercice qui tue. Et si c'est le dernier, c'est très bien. Parce qu'on finit quelque part en beauté. Même Ghislaine, l'infirmière Ghislaine, même Ghislaine fait le circuit dans son intégralité en aménageant. Donc les infirmières font le circuit, incroyable, après tout ce dévouement. Voilà, ça leur fait du bien, je crois. Mais si elles sont capables, tout le monde est capable, je pense. Même si ce sont des super Wonder Woman, il faut essayer d'être dans une démarche d'apprentissage pour les exercices déjà, et puis après, hop, ça vient tout seul, on répète, et on devient plus tonique, plus agile, une meilleure posture, beaucoup plus de confiance en soi, n'est-ce pas mesdames? Et puis après, on se sent rajeuni. Je vais retirer mes chaussures pour ne pas salir mes petits tapis. Voilà, ce sont des tapis que j'utilise aussi à l'entreprise sur... Alors, il y a une petite notion de mathématiques. Alors, j'utilise ça aussi dans les lycées, collèges et classes primaires avec des exercices sur les mains et le comptage sur les additions, les multiplications. On va passer aux étirements avec 30 secondes à chaque fois.
Allez, dans 5 secondes. 3. On se met en position. 1. Go. Allez, vers l'avant ici. On se met à l'opposé. On va faire descendre le curseur sur une position mixte qui n'est pas allongée. C'est important de ne pas s'allonger quand on est à plein effort. Donc là, c'est le cas, on gagne du temps sur la récup. Vous m'avez fait souffrir aujourd'hui. 3, 2, 1, stop. Mais je veux le. 3, 2, 1, go. Voilà, on a 5 secondes de transition pour changer d'exercice. Donc on se met légèrement en arrière, 90 degrés, jambes tendues, les mains au-dessus du genou et on bascule le buste vers l'avant, dos plat. Là. Three, two, one, stop. Et on se met sur le côté. Three, two, one, go. Voilà. Milieu entre les deux genoux et pas sur le genou. La pointe des pieds vers le haut. Vers le haut, la pointe des pieds. On pose les deux mains au sol. On expire bien, on relâche. On en profite tant qu'on a les mains au sol pour bien inspirer, bien respirer. C'est un sauna chez moi. J'ai le sauna gratuit. 3, 2, 1, stop. Ok, on relâche ici. 3, 2, et on va mettre 1, go. La main ici à 90 degrés. Et on regarde du côté du bras opposé. Wouh! Three, two, one, stop. Hop, on passe de l'autre côté. Three, two, one, go. Et on relâche tout le stress, l'anxiété, les tensions, on relâche tout. Là, comme ça. Three, two, one, stop. Voilà, on inspire bien, on se met sur le côté. One, ici. Go. Ouh, je vous rappelle que nous ne sommes pas une application. On adapte nos séances au fur et à mesure. Et que dans tous les cas, vous devez trouver votre rythme en fait. C'est uniquement une question de rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Au contraire, prenez votre temps sur les exercices. Après, si vous voulez pousser en cardio, vous poussez en cardio, il n'y a pas de problème. Mais soyez vigilant. 3, 2, 1, stop. Alors, on va se mettre à nouveau. 2, ici. 1, go. Dans l'axe. Là. Wouh! Ça va? Est-ce que ça va? Moi, ça va pas du tout. Mais c'est 3, bon. 2, 1, ah. Stop. Mais qu'est-ce que c'est bon? 3, allez. 2, 1, go. Je crois qu'on est prêt pour aller sur la planète Mars, confiné pendant plus de 6 mois, dans quelques mètres carrés, grâce au sport. D'ailleurs, je vais inviter Thomas Pesquet pour une des séances, s'il veut bien. Comme c'est un judoka, que je le connais un petit peu, j'espère qu'il pourra nous donner quelques conseils pendant des... Peut-être pas les conférences, mais pendant les séances. 3, 2, 1, stop. Ok, on relâche, on se remet. 3, 2, 1, go. À genoux et on relâche les vertèbres cervicales. Thank you.
3, 2, 1, stop. On prend les deux mains. 3, 2, 1, go. Et on avance avec le bassin. Et on regarde le ciel ou le plafond. On pousse le bassin en avant, rétroversion. Et on ouvre l'angle tronc, épaule au maximum. Sachant que je suis pas souple du tout. Three, on dit 1, stop. Ok, on le refait. 3, 2, 1, go. Et on se redresse ici. On pousse le bassin en rétroversion et on ouvre vers l'arrière. On se grandit. Three, two, one, stop. On relâche, on pose les mains au Three, sol. Two, one, on arrondit go. Ici. On souffle. On contracte les abdominaux. Et on relâche, on inspire très fort. Et on recommence. Three, two, one. Oh là, je respire et c'est Three, terminé. Two, one, go. À la machine infernale. Et voilà pour la séance numéro, je sais plus, 16. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne douche et un bon appétit. Et je vous rappelle les prochains rendez-vous donc vendredi à 11h pour une séance de cross-training. À dominante gainage, dimanche à 11h, séance à dominante step, escalier, pour tous ceux et celles qui ont une marche d'escalier, si vous n'avez pas, c'est possible aussi, et puis lundi, ça sera à nouveau cross-training à 11h, et mardi, je vous retrouve pour la conférence débat sur le sport en entreprise à 18h. Très bonne journée et à bientôt.